terme de déclaration des députés. Il est maintenant l'heure des questions. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le procureur général. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le Premier ministre veut faire taire ses critiques au lieu de les écouter. Les parents d'enfants atteints d'autisme, les proches des résidents de soins de longue durée, les travailleurs, les enseignants. S'il vous plaît, arrêtez l'horloge. Vous ne pouvez pas faire référence à l'absence de membres, s'il vous plaît. Je m'excuse, je vous prie de reprendre le chronomètre. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre préfère faire taire ses critiques que de les écouter. Comme je le disais, il y a des parents d'enfants autistes, des familles de résidents de soins de longue durée, des enseignants, des travailleurs qui veulent se faire entendre. Il y a des lois de financement au Canada et dans les provinces qui expliquent clairement la façon dont les partis tiers peuvent s'exprimer. Chaque région a été en mesure de créer des dispositions et des lois claires et facilement. Pourquoi est-ce que le gouvernement a peur de passer par un processus normal? Pourquoi utilise-t-il la clause non-obstant pour museler les critiques? Le leader de la Chambre, j'aimerais être clair, Monsieur le Président. Nous sommes fondamentalement en désaccord avec le NPD. Si le NPD était au pouvoir, il n'y aurait pas de règles, nous le savons. Voilà pourquoi ils ont essayé de mettre de l'avant cette stratégie. Le NPD pense que la période devrait être de 3 mois. Nous ne pensons pas que c'est le cas. Nous pensons que 12 mois est adéquat, est une période équilibrée. Nous sommes ici aujourd'hui pour cette raison, parce que nous pensons que la responsabilité et la comptabilité sont très importantes dans un cadre électoral. Ce n'est pas que l'opposition qui est contre ce qui se passe. Les tribunaux également, ce qu'ils font est anticonstitutionnel et antidémocratique. Mais nous comprenons très bien ce qu'il se passe. Ils ne veulent pas respecter les tribunaux et ils ne veulent pas respecter les Ontariens. Mais le procureur général devrait avoir la décence d'expliquer aux Ontariens ce qu'il fait exactement. Lorsqu'il a déposé ce projet de loi, il s'est caché des médias. Il n'a répondu à aucune question. Il ne veut pas avoir à justifier devant les Ontariens pourquoi il sera le premier procureur général de l'histoire, dans l'histoire de la province à bafouer les droits et les libertés de l'Ontario. Pourquoi ne pas tout simplement proposer des projets de loi qui respectent les cours, respectent les Ontariens et respectent les droits et libertés de tout un chacun? Le leader de la Chambre. Le juge, dans sa décision, a indiqué que les balises sont importantes si nous voulons veiller à des élections justes en Ontario. Le juge a confirmé cela. De plus, le juge a indiqué que les balises sont constitutionnelles et ne vont pas à l'encontre des droits et libertés de la Charte. Nous sommes en désaccord avec l'opposition qui semble vouloir n'avoir aucune règle, aucune balise de comptabilité, rien. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous travaillons fort, nous voulons qu'il y ait un devoir de comptabilité dans notre province. Nous pensons avoir atteint un équilibre juste. Nous connaissons la position du NPD. Lorsque ce projet de loi a été proposé en comité, ils ont été clairs, ils veulent 3 mois. De balises. Nous pensons que 12 mois sont adéquats. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous luttons pour pouvoir avoir et mettre en place une disposition juste. Question supplémentaire finale. Le gouvernement a entendu des experts de liberté civile, d'autres parties prenantes,
Et les Ontariens également se sont prononcés. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Le juge a indiqué que le gouvernement n'arrivait même pas à défendre ses propres arguments. Donc, en ce moment, le gouvernement décide de bafouer le droit des Ontariens pendant une pandémie. Les choses auraient pu être différentes. Au lieu de faire taire les critiques avant une élection, pourquoi le procureur général n'a pas tout simplement fait son travail comme rédiger de meilleures lois permettant de protéger les Ontariens? Le leader du gouvernement. Nous pensons que c'est exactement ce que nous avons fait. Le juge a confirmé qu'il faut qu'il y ait des balises dans les dépenses préélectorales et que ce sont des balises justifiables et justifiées. Et nous pensons qu'il est constitutionnel de faire ceci. De plus, le directeur des élections de la province nous a indiqué que ces choses étaient également importantes. Nous avons vu ce qu'il s'est passé dans les années précédentes. Nous sommes absolument en désaccord avec le NPD qui ne veut mettre en œuvre aucune balise. La nuit dernière, ils se battaient, ils luttaient pour un système sans balise. Nous voulons rectifier ce problème. Nous croyons en ce qui est juste, ils ne croient pas en ce qui est juste. Nous croyons en des balises, ils ne croient pas en des balises. La députée de Brampton Center. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais être claire. Le NPD lutte pour les Ontariens travailleurs et pour la liberté d'expression des Ontariens. Ma prochaine question est au Premier ministre. Vendredi, le gouvernement a été clair. Il ne va pas augmenter le salaire des préposés. L'augmentation salariale est nécessaire pour les travailleurs de première ligne comme les préposés, qui ont fait un travail acharné pendant la pandémie afin de soigner et de protéger nos êtres chers en soins de longue durée. Les préposés doivent avoir droit à un salaire juste. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne veut absolument pas augmenter le salaire des préposés plutôt que d'offrir des augmentations ponctuelles? Le leader du gouvernement. Les préposés de soins sont extrêmement importants en Ontario. Ils l'ont été pendant la pandémie, l'ont été avant la pandémie et le seront après la pandémie. Voilà pourquoi nous allons embaucher 27 000 préposés en Ontario. Nous avons augmenté les salaires horaires des préposés. Nous avons reconnu à quel point ce secteur est important. Et nous voulions absolument régler le problème de la santé de corridor. Voilà pourquoi nous continuons d'évoluer. Je suis fière de dire que ce gouvernement a mis en place des aides supplémentaires pour les préposés. Je vois que l'opposition, cependant, a voté à l'encontre de ces mesures à répétition, malgré le fait que l'opposition ait voté contre ces mesures. Nous continuerons de faire ce qu'il faut pour les Ontariens. Nous allons continuer d'investir pour ces personnes qui ont fait toute la différence en Ontario pendant la pandémie. Question supplémentaire. Les préposés sont sur la première ligne de la pandémie. Tout le monde ici, tout le monde dans cette chambre, sait que le gouvernement n'a pas su placer un étau de protection autour des soins de longue durée. Pendant beaucoup trop longtemps, sous les conservateurs et les libéraux, les préposés ont été sous-payés et ont été surchargés de travail. Le choix est clair. Le Premier ministre pourrait aider à régler les problèmes dans ce système brisé, lacunaire. Non. Le Premier ministre décide plutôt de débattre des questions électorales. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne veille pas à ce que les travailleurs de première ligne reçoivent une augmentation salariale permanente plutôt que ces solutions temporaires estimées suffisantes par le gouvernement? Réponse. Nous avons entamé une réforme du système dès que nous sommes arrivés au pouvoir. Nous voulions, par exemple, régler les soins de longue durée, régler les questions de santé.
Entre 2011 et 2014, lorsque le NPD était en coalition avec les libéraux, le NPD n'a pas su demander des comptes aux libéraux. Aujourd'hui, nous construisons 30 000 lits, nous engageons des milliers d'infirmières et de préposés. Nous réformons le système de santé afin que ce système soit adapté aux besoins des Ontariens. Voilà pourquoi nous avons investi énormément dans les soins de santé. Il y a encore du travail à faire, bien évidemment, mais nous y arriverons. Nous allons régler les problèmes qui nous ont été légués par le gouvernement précédent. J'espère qu'à un moment donné, l'opposition se joindra à nous dans cette entreprise. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le gouvernement ne sait pas prioriser les bonnes choses, comme les milléniaux disent. Il est suspect de voir que le gouvernement appuie sur le bouton nucléaire plutôt que de régler les problèmes salariaux et de travail qui touchent les préposés. 46% des foyers de soins de longue durée n'ont même pas d'air conditionné dans les chambres des résidents. Je pense que c'est un sujet qu'il faudrait débattre ici. Nous savons aussi que le temps partiel n'est pas suffisant pour les préposés si ces derniers veulent une carrière. Il faut une augmentation salariale, des meilleurs taux horaires, afin que nous puissions retenir ces préposés dans notre système de soins de longue durée. Je pose la question suivante au Premier ministre. Quand le gouvernement prendra les bonnes décisions et donnera à nos héros de première ligne une augmentation salariale méritée? Le leader du gouvernement. La seule chose que je trouve suspecte aujourd'hui est la suivante. Le NPD a voté à l'encontre de toutes les propositions que nous avons faites pour l'amélioration des conditions des préposés. Nous avons dit que nous allions embaucher 28 000 préposés, ils ont dit non. Lorsque nous avons dit que nous voulions engager 2 000 infirmières, ils ont dit non. Lorsque nous avons dit que nous allions construire 30 000 lits avant la pandémie, pendant la pandémie et après la pandémie, ils ont dit non. Lorsque nous avons dit que nous voulions faire une transition entre Santé Ontario et la santé, ils ont dit non. C'est tout à fait typique du parti du NPD et du Parti libéral. Ces partis parlent, mais en termes d'action, c'est les progressifs conservateurs qui agissent. Question. La députée de London West, ma question est pour le Premier ministre. Après l'attaque de London, la mosquée, l'association des musulmans ainsi que des leaders musulmans partout dans le pays ont demandé un sommet sur l'islamophobie afin de faire participer les niveaux municipaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux afin de contrer l'islamophobie et l'islamophobie systémique. Le NPD a écrit au Premier ministre en exhortant le gouvernement de soutenir ce sommet. Le sommet sera organisé avant juillet. Mis à part le fait d'adopter une motion non contraignante ce matin, que fera le gouvernement afin de mettre fin à l'islamophobie en Ontario? Le leader du gouvernement, merci, Monsieur le Président. Je veux dire d'abord que ce matin, notre cœur est avec la famille et les amis des victimes. C'est vraiment une tragédie énorme. Et même si je comprends, pendant que je peux remercier tous les gens qui ont rendu hommage quand on retourne à cette place. Il y a plus de travail à faire au fédéral et au municipal et des forces de police dans toute la province, comme on a fait depuis qu'on est arrivé au pouvoir. Et franchement, les provinces et le gouvernement ont fait depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose que c'est une question des conservateurs, des néo-démocrates, etc. C'est une question qui est importante pour nous tous et nous devons tous travailler pour
faire ce qui s'impose. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est un moment de douleur incroyable. Les familles sont difficiles, ne veulent pas se marcher dans les rues et les parents ont des difficultés à expliquer pourquoi et ils ont peur pour eux. La communauté musulmane a attendu longtemps des gestes, pas juste des bonnes paroles. La motion adoptée ce matin démontre du soutien pour un directorat antiraciste. Est-ce qu'on va remettre le financement? Est-ce que le gouvernement s'engage à dévoiler plus de financement comme centre de ressources pour le soutien social et l'intégration a besoin avec urgence pour répondre au traumatisme à long terme que la communauté de London souffre? La réponse, la solliciteur générale. Merci. Je pense que nous tous, on a été choqués, frustrés, fâchés, époustouflés quand on a entendu ce qui s'est passé dimanche dernier. Mais pour cette députée de continuer à dire que le directorat contre le racisme a été ou eu son financement coupé, je dis que c'est absolument faux. Je veux dire aux gens ici, à tout le public, que le directorat continue à faire son service, à donner des bourses qui font exactement ce que vous demandez, d'assurer qu'on se débarrasse de toute cette haine qui continue à exister dans notre communauté. L'islamophobie, du racisme anti-asiatique, le travail a lieu, le financement n'a pas été réduit et on va continuer ce travail en tant que gouvernement et j'espère en tant que parlementaire. Merci. Question suivante, le député de Willowdale. Merci, bonjour. Ma question ce matin est pour le ministre associé des petites entreprises et direction des formalités administratives. Nous savons que les petites entreprises sont vraiment très importantes dans la communauté, c'est le cœur de la communauté souvent. Cependant, on a pris notre premier pas dans le feuille de route de la réouverture et c'était bien de voir les PME qui ouvraient et le fait qu'on accueillait des clients à Willowdale, on voyait ça, je suis sûr que c'est ailleurs. C'était une période difficile pour les PME à Willowdale. Et notre gouvernement était là pour aider les PME. Donc j'espère, en m'adressant à vous, est-ce que le ministre peut rappeler à cette Chambre comment le gouvernement a appuyé, continue à appuyer des petites et moyennes entreprises pendant la pandémie? Le ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Merci, Monsieur le Président. Je veux prendre l'occasion de remercier le député de Willowdale, non seulement pour sa question, mais d'être quelqu'un qui appuie les petites et moyennes entreprises et qui travaillent jour et nuit pour les appuyer. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a donné des soutiens aux petites et moyennes entreprises. Cela, les bourses pour les rues principales, pour aider les coûts ajoutés additionnels de le pays, la subvention de soutien aux petites et moyennes entreprises où on a des bourses de 40 000 $ pour les entreprises pour qu'elles puissent rouvrir et survivre à cette tempête. On a mis 10,9 milliards de dollars de soutien direct aux PME de toute la province. Et on a eu aussi donné le crédit d'impôt foncier et aussi l'aide au loyer. Merci. Question complémentaire? Merci. Et merci au ministre pour cela. C'est encourageant d'entendre qu'on fait tout ça pour aider les PME. Ce n'est pas pour survivre à la tempête de la COVID-19, mais c'est de placer les entreprises avec une possibilité d'avoir du succès dans la province de l'Ontario. Nous savons quand on va rouvrir l'économie, ça sera l'Ontario contre New York, ce sera l'Ontario contre tout le reste du monde qui on va faire essayer de trouver
Et les gens, par exemple, qui ont été frappés de plein fouet ailleurs et à Willowdale, c'est les restaurants. On a entendu des députés. Westings, London, Barbara Stevens, aussi, qui est propriétaire d'un restaurant à Barrie. Est-ce qu'on peut dire comment est-ce qu'on va continuer à aider le ministre associé? Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés d'en face. Je me souviens de la conversation et Barbara Stevens dans sa circonscription pour les frais de livraison. Nous étions le premier gouvernement en Amérique du Nord à avoir des mesures législatives pour limiter ces frais, non seulement par des règlements. Les applis des troisième parties peuvent fonctionner, mais aussi on a autorisé la possibilité à livrer de l'alcool, vendre de l'alcool. On a donné la possibilité aux restaurants d'avoir des expansions des terrasses extérieures pour qu'on puisse, en suivant la santé publique, on va faire tout ce qu'on peut pour appuyer les entreprises, petites et moyennes entreprises maintenant et dans l'avenir. Question suivante, la députée de Davenport. Ma question s'adresse au premier ministre. Merci. Les élèves de l'Ontario ont été en dehors de l'école plus que toute autre province. Des médecins hygiénistes régionaux, aussi bien que le médecin hygiéniste en chef, des experts et 400 médecins ont signé une lettre ouverte qui a demandé au gouvernement de donner la priorité à la réouverture sécuritaire des écoles, mais elles restent fermées. Pire, la séance a été levée sans voir un plan pour un retour sécuritaire à l'école en septembre. Pourquoi est-ce que le premier ministre fait tout ce qu'il peut pour aider sa carrière politique, mais ne fait rien pour aider les élèves dans les salles de classe? Le ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Merci à la députée d'en face. L'engagement du notre premier ministre est d'assurer que tous les élèves retourneront en classe en septembre et pour tout travailleur de l'éducation, des conducteurs d'autobus, enseignants, aides-enseignants, nous sommes engagés à voir les gens de retour aux écoles. Nous savons que c'est important. C'est pourquoi on a renouvelé un investissement de 1,6 milliard de dollars pour des infirmières de santé publique. Aussi, 300 millions de dollars pour embaucher plus de gens. Et on va suivre les conseils de santé publique pour assurer que les élèves sont en bonne situation. Le médecin hygiéniste en chef l'a dit que les écoles sont sécuritaires, comme il a dit souvent. Question complémentaire. Elles ne sont... En fait, le plan dont le gouvernement parle, c'est du tout entre tentatives de donner l'impression qu'ils font le plus, mais en fait, ils font le moins. Le bureau de la responsabilité financière a dit que on avait la réduction. Le financement de la COVID ne va pas passer de décembre. On n'a pas pallié la différence. Le plan de l'année dernière a mené à la fermeture d'écoles, à certaines qui ont été fermées. Voici un premier ministre qui a invoqué la clause de dérogation, mais n'utilise pas ses pouvoirs pour appuyer les élèves de revenir en sécurité à l'école plutôt que de piétiner nos droits selon la charte. Le ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, le Premier ministre et notre gouvernement ont engagé à s'assurer que les élèves soient en sécurité. C'est pourquoi on a mis un plan avec 1,6 milliard de ressources pour, selon les conseils pédiatriques et du ministère hygiéniste en chef. La conséquence, c'est que l'Ontario a un des cas le plus faible de COVID chez les jeunes. Ce n'est pas une coïncidence. Et c'est bien plus fort qu'aux États-Unis. Maintenant, en septembre, les vaccins pour tout étudiant
pour chaque personne, des investissements pour les tests asymptomatiques. Nous avons 96 % des écoles qui ont une ventilation améliorée. Et donc, on fait notre travail pour que les jeunes soient de retour en classe. Question suivante, le député de Guelph. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Personne ne contacte mon bureau en demandant au gouvernement d'utiliser la disposition de dérogation pour violer au droit de la charte. Mais des milliers de personnes me contactent mon bureau pour exigeant ce gouvernement qu'on fasse des investissements pour que les enfants reviennent à l'apprentissage présentiel dans les écoles. Les élèves et les éducateurs sont fâchés que le plan de réouverture n'a rien dit sur la réouverture de l'école. Et quelques semaines plus tard, les écoles ne sont pas ouvertes. Monsieur le Président, m'adressant à vous, est-ce que le Premier ministre peut expliquer à la population de cette province pourquoi l'Assemblée législative a un débat d'urgence pour la disposition de dérogation, mais le Premier ministre n'a pas un plan clair de réouverture des écoles? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le gouvernement peut faire les deux. On peut protéger la démocratie et investir dans l'éducation publique. L'éducation, c'est exactement ce qu'on fait avec une attribution d'1,6 milliard de dollars d'attribution. C'est pourquoi on a renouvelé chaque ressource de cette année et on a eu le moindre de cas ici en Ontario, au Canada. Et on va continuer à améliorer. C'est pourquoi on a une expansion des efforts d'améliorer la ventilation dans les écoles. 450 millions de dollars pour 1000 écoles. On va continuer à appuyer le test asymptomatique. La seule province dans la province qui a cette capacité, on a doublé les attributions pour la santé publique. On a le financement de la santé mentale a augmenté de 4 fois comparé à ce qu'il y avait sous le gouvernement libéral. Donc, on a aussi un plan sur 5 points pour améliorer la lecture et la mathématique et autres. Question complémentaire, avec tout le respect au ministre. La juge Morgan a dit que la loi sur le financement des élections n'est pas raisonnable et est non constitutionnelle. En fin de compte, on a 2 mois avant que les élèves soient de retour en salle de classe et les parents veulent savoir quel est le plan. Une chose qu'ils ont rendue très claire, avec de même que les éducateurs, c'est que le modèle hybride ne fonctionne pas. Ça va épargner peut-être au Premier ministre un peu d'argent, mais cela ne donne pas l'éducation des qualités que méritent les élèves et dont notre province a besoin. Monsieur le Président, au moins aujourd'hui, est-ce que le Premier ministre peut rassurer les parents, les élèves et les éducatrices et éducateurs que le modèle hybride ne sera pas utilisé dans l'année scolaire de l'année prochaine? Le ministre de l'Éducation, merci. On peut rassurer les parents que, contrairement aux députés d'en face, on va assurer que les parents aient le choix en septembre d'apprentissage présentiel en salle de classe ou à distance. Il faut que ça soit clair. Aucun député, autre que les progressistes conservateurs qui croient au principe de choix pour les parents, vit le manque de prévisibilité de la pandémie. Presque 25 % des parents ont pris ce choix et peuvent continuer. Mais on sait que l'expérience en salle de classe est sécuritaire et prévisible. C'est pourquoi on a donné la priorité. Et on veut que tous les gens aient 2 doses avant septembre. On avait une disposition pour cette année et on a rendu aux élèves et au personnel de la priorité et 500 millions de dollars d'augmentation des subventions pour les besoins des élèves pour qu'ils puissent être de retour en apprentissage à l'école en septembre. Question
suivante, le député de Willowdale. C'était incroyable de voir les entreprises ouvertes et de ressentir l'espoir que les gens avaient qu'on revenait à quelque chose d'un peu plus normal. C'était bien de voir les gens, les familles qui mangeaient et qui buvaient à l'extérieur. Mais les gens de Willowdale veulent encore avoir la deuxième dose de du vaccin de la COVID-19. Et je sais que le gouvernement travaille pour essayer de trouver la campagne de vaccination la plus efficace. À la solliciteur générale, est-ce que la ministre peut donner une mise à jour sur le progrès que notre province fait sur le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19. La solliciteur générale. Merci. Il y a vraiment deux semaines extraordinaires dans la vaccination. Notre gouvernement a dit qu'il s'est engagé à avoir une campagne d'immunisation la plus efficace au pays. D'ici à la fin de la journée, on avait fourni 11 millions de doses des vaccins de la COVID-19 qui étaient donnés à des Ontariens partout dans la province. Ce que je sais, c'est encore un signe comment c'est efficace la campagne de vaccination quand on reçoit plus de doses du gouvernement fédéral. Pour avoir ce succès, on a annoncé la phase suivante des vaccins et c'est en avance, en commençant lundi dans deux jours. On va lancer une campagne accélérée de deuxième dose pour dans les bureaux de santé publique où le variant Delta est une préoccupation. Et nous travaillons avec les bureaux de santé publique dans toute la province pour assurer que les Ontariens aient le vaccin. Merci. Question complémentaire, la députée de Willowdale. Merci. C'est encourageant d'entendre que 11 000 millions de doses ont été administrées. Maintenant, dans sa même circonscription, j'entends des gens non seulement à Willowdale, mais partout dans la province, ont des préoccupations. On ne veut pas avoir une quatrième vague. Si on est entièrement vacciné, on n'ira pas à l'hôpital probablement, ni on n'ira aux soins intensifs. Est-ce que la solliciteur générale peut nous expliquer quel est l'impact de cette campagne de vaccination? La solliciteur générale. Merci. Nous, avec le ministère de la Santé, nous arrivons à notre objectif de plus de 70% des Ontariens et Ontariennes vaccinés avec la première dose et 20% des deux doses. Ces jalons n'auraient pas eu réussi avec le comité de travail, le ministère de la Santé et les travailleurs de santé de première ligne qui se sont rassemblés pour arrêter l'avance de la COVID-19. C'était un effort de l'équipe Ontario. Et dans les bureaux de santé publique, les partenaires communautaires, les centres communautaires, tout le monde a travaillé ensemble avec l'approvisionnement de vaccins. Nous sommes en bonne position pour assurer que chaque Ontarien qui veut se faire vacciner puisse avoir l'occasion de l'être. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question suivante, le député de Quittenong. Merci, Miigwech. Ma question s'adresse au Premier ministre. Nos cœurs et nos prières sont encore avec les familles et nations des enfants trouvés à Kamloops dans le pensionnat qui ne sont pas retournés à la maison. Nous avons entendu aussi cette semaine de 104 plus de restes d'enfants qui ont été trouvés dans le site d'un pensionnat à Brandon, au Manitoba. Vu l'engagement de l'Ontario pour trouver les sites où il y a des corps d'enfants dans la province, il faut écouter les parents des gens qui sont allés au pensionnat et des gens qui étaient là aussi. Est-ce que le gouvernement va s'engager à localiser ces sites et qu'ils soient menés par les Autochtones? Le ministre des Affaires autochtones. Merci. Et j'apprécie la question du député. Et je reconnais aussi la lettre qu'il a envoyée et on a envoyé une réponse pour qu'il comprenne, pour l'avantage du député, que beaucoup de ses idées sont en fait. C'est le travail qui est en cours d'être fait déjà. Et on a hâte d'appuyer avec toutes les ressources de la province, l'expertise technique, des soutiens en santé mentale, pour identifier, rapatrier et rendre hommage à cette tragédie horrible. Un des chapitres les
plus foncé dans la vie du pays. Les Canadiens, les Ontariens, Ontariennes sont du côté des familles des survivantes et survivants. Et on est prêt à travailler avec les Premières Nations, les peuples autochtones pour parler à ce problème. Merci. Question complémentaire. Miigwech, de trouver nos enfants perdus du pensionnat, c'est une responsabilité sacrée pour nos peuples. Ce processus doit être mené par les communautés de chefs de ville des Premières Nations. C'est l'approche de l'Ontario sur cette question doit être menée par les Autochtones, soit avoir une base communautaire, centrer le besoin des survivants et survivantes et être sensible à la culture. On a des experts qui peuvent le faire. On doit commencer des actions immédiates et décisives pour les enfants qui manquent des pensionnats encore partout en Ontario. Est-ce que l'Ontario va s'assurer qu'il y a des ressources pour localiser ces sites des pensionnats de partout dans la province? Le ministre des Affaires autochtones, encore une fois, j'apprécie que l'Ontario travaille pour cet objectif. On a travaillé pour des recommandations 7 à 71 pour trouver des lieux de sépulture. Et je pense qu'il y a un consensus avec beaucoup de collègues au pays, mais il faut redoubler d'efforts pour assurer qu'il y ait assez de ressources, que ce soit un processus mené par les Autochtones, que les experts techniques seront là pour appuyer les survivants, survivantes autochtones, les communautés et les familles, pour identifier, rapatrier et rendre hommage à ces enfants perdus. C'est inimaginable en tant que père de deux enfants en âge scolaire, cette tragédie. Et j'assure le député en face et tous les députés, le ministère des Affaires autochtones, nous avons signé un accord et on s'assure qu'on va mener un bon processus. Question suivante, le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour. Le gouvernement a décidé d'invoquer la disposition de dérogation, la clause dérogatoire, et il a perdu un cas devant les tribunaux et a décidé de le faire. C'est important de se souvenir que la Charte des droits et des libertés protège nos droits au discours, à l'organisation, à la démonstration, et protège aussi notre liberté de prier à quel Dieu on veut ou de ne pas prier du tout. C'est ces protections fondamentales qui différencient le Canada de beaucoup d'autres pays autour du monde. Et le gouvernement a dit qu'il pense qu'il a trouvé un équilibre pour dépasser les droits fondamentaux. Quand beaucoup de gens sont sous attaque par leur genre, orientation sexuelle, religion, pourquoi le gouvernement pense que c'est le moment de piétiner les droits fondamentaux constitutionnels? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je pense que la raison pourquoi nous avons tellement de passion pour assurer l'équité des élections, parce que c'est fondamental à notre progrès en tant que société. Des générations d'Ontariens, Ontariennes et de Canadiens, Canadiennes ont sacrifié tellement pour assurer qu'on a le pays le plus libre au monde. Et notre travail en tant que parlementaire, c'est d'assurer que cela continue. Je ne comprends pas comment les députés d'en face ne comprennent pas que c'est important d'assurer qu'on ait des élections justes et ce que le directeur général des élections nous a demandé. La juge elle-même a suggéré et confirmé que ces restrictions sont nécessaires. Elle a aussi confirmé que ces types de restrictions ne sont pas contre les droits selon la charte des gens. On a confirmé un programme de 12 mois qui est défrayé par les limites les plus élevées au pays, inclus les limites fédérales. On veut s'assurer qu'on améliore notre système électoral pour que les élections soient encore plus justes. Question complémentaire?
Monsieur le Président, si le gouvernement croyait à l'indépendance des tribunaux, ils n'auraient pas avancé tellement vite pour aller imposer, invoquer cette disposition contre la Charte. Mais encore un gouvernement, ce gouvernement a perdu devant les tribunaux et avance rapidement pour piétiner nos droits en invoquant la disposition de dérogation. Les gens croyaient à un moment, des conservateurs, que dans l'indépendance du système juridique, le premier ministre Mulroney a dit l'indépendance des tribunaux est au cœur de la démocratie au Canada et c'est meilleur que tout autre endroit au monde. Si le gouvernement croit un système juridique avec beaucoup d'autorité indépendante, pourquoi ils choisissent de piétiner nos droits constitutionnels tellement rapidement? Les leaders parlementaires du gouvernement, je pense que personne n'est surpris qu'un député du Parti libéral essaie de saisir un échappatoire pour venir à un système dont ils ont pris beaucoup d'avantages. Ce qui est clair de moi, et toute la nuit par les députés du Parti libéral, les mots et les paroles, les actions, les gestes ne sont pas portables. Ils veulent saisir parce que les libéraux ne veulent pas de contrôle, ils ne veulent pas des élections équitables, ils veulent utiliser tout avantage qu'ils peuvent, comme ils l'ont fait pendant 15 ans. Ça ne me surprend pas que le député d'en face vote contre et parle contre ces types de contrôles. Et on va continuer à assurer que les élections en Ontario sont tenues de façon équitable. Et on va agir sur les recommandations du directeur général des élections et on va adopter les recommandations que la juge a confirmées dans sa décision. On ne va pas s'empêcher de rendre les élections équitables et justes quand les libéraux pensent qu'ils ne peuvent pas gagner. Nouvelle question, le député de Willowdale. Sous le gouvernement précédent, les élèves ne pouvaient pas apprendre la mathématique, le programme était déçoué et les gens n'avaient pas les aptitudes. Et c'était vrai jusqu'à la dernière semaine quand le ministre de l'Éducation a dévoilé le nouveau programme des mathématiques qui commencera à être utilisé en septembre, qui modernise le programme, le curriculum en mathématiques de la première année à septième année. Depuis des années, les enfants en Ontario n'ont pas préparé pour les emplois de l'avenir. Est-ce que le ministre peut partager avec l'Assemblée législative pourquoi l'adoption de ce programme scolaire va faire toute une différence pour beaucoup d'Ontariens? Réponse du ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président, et je veux remercier le député de Willowdale de sa défense de la littératie financière. Il a absolument raison. Pendant 16 ans, le programme de mathématiques de la première année jusqu'à à la 8e et 9e année même n'avait pas été mise à jour. Il faudrait qu'on ait un programme qui est mis à jour. C'est pourquoi on a beaucoup de chômage et c'est pourquoi l'Ontario est fier d'être la première mesure au Canada qui a rendu l'encodage enseigné de première année et qu'il est l'apprentissage obligatoire. Et cela va bâtir sur les connaissances qui sont dans le programme de la première année à la 8e année. On veut que les élèves apprennent des aptitudes, des tâches pratiques pour qu'ils puissent payer des impôts, payer des frais de scolarité, mais pas à vie. Et donc, on veut donner l'avantage aux jeunes pour qu'ils saisissent l'occasion, pour qu'ils laissent des emplois venir, pour qu'on livre comment terminer ce que l'ancien gouvernement nous a donné. Question complémentaire. Merci. Comme le ministre sait, un des meilleurs avantages de ce nouveau programme, c'est le début de la fin du cloisonnement dans les écoles. Le cloisonnement, c'est la pratique qui a un impact négatif pour les enfants, un manque d'avantages. Les jeunes et les familles prenaient des décisions à la 8e année qui déterminaient leur carrière dans l'avenir, à la 8e année de l'école. C'est complètement injuste pour moi. Et cela crée immédiatement une division entre les enfants,
en les élèves, ce qui donnait des avantages aux gens. Avec cela à l'esprit, est-ce que le ministre peut partager comment ce nouveau programme de la mathématiques va bénéficier tous les élèves de la province? Ministre de l'Éducation. Merci. Nous pouvons conclure que ces pratiques de cloisonnement ont disproportionnellement affecté certaines communautés, comme les communautés autochtones et racisées. Certains élèves ont moins de chances d'obtenir un diplôme à cause du cloisonnement. À Toronto, 30 % des élèves sont des élèves noirs. Pourtant, un faible pourcentage seulement reçoit un diplôme. Nous voulons donc nous assurer que chaque élève puisse atteindre son plein potentiel. C'est pourquoi nous voulons ouvrir davantage de portes pour ces jeunes, pour qu'ils puissent avoir accès au collège, aux universités, aux métiers. Nous voulons nous assurer qu'il y ait également davantage de soutien à l'équité pour soutenir les étudiants racisés, autochtones et noirs. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils puissent obtenir du succès. Nous voulons que ces jeunes aient le succès qu'ils méritent. Question suivante. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La nuit dernière, nous avons combattu. Nous avons parlé de la disposition de dérogation. Nous avons parlé de l'inaction de ce gouvernement pendant cette période de pandémie. Le gouvernement priorise les électeurs et les donateurs. Nous en sommes à la première fin de semaine de réouverture et beaucoup d'entreprises vivent des difficultés. Par exemple, Anne Sorrentis, une propriétaire d'entreprise, a de la difficulté à joindre les deux bouts. Elle a postulé pour la subvention pour les PME. Pourtant, elle a attendu une réponse. Je la cite. Est-ce que ce gouvernement comprend le stress que je vis et que d'autres personnes comme moi vivent? Question. Est-ce que ce gouvernement peut s'assurer qu'elle ait finalement la subvention dont elle a besoin pour que finalement elle n'ait pas à mettre la clé sous la porte et que nous perdions un pilier de notre communauté? Ministre associé des petites entreprises et réduction des formalités administratives. Toutes les entreprises qui ont postulé pour obtenir cette subvention la recevront. Nous voulons nous assurer que nous puissions passer au travers de ces candidatures le plus rapidement possible. Je suggère à la députée de regarder ce cas en particulier, offrir le soutien aux entreprises. Nous comprenons que c'est une période très difficile. Simultanément, nous avons offert 2,9 millions de dollars en termes de subventions à ces entreprises qui ont été impactées. Il y a également d'autres formes de soutien qui sont disponibles. Par exemple, le report d'impôts ou alors les subventions pour les coûts d'électricité. C'est le plus grand investissement jamais fait pour les entreprises de notre province. Et je recommande à la députée d'aider l'entreprise dont elle fait mention. Question complémentaire? Oakland Hardware, que vous le sachiez, est admissible pour cette subvention. Nous voulons nous assurer que Anne puisse avoir sa subvention le plus rapidement possible. Cette subvention met de côté beaucoup de musées, de galeries d'art et différents parcs dans nos communautés. Ce gouvernement conservateur a mis de côté nos espaces publics, nos musées, avec cette subvention. Nos galeries, nos musées emploient des milliers de gens. Nous voulons qu'ils fassent partie de la relance économique. Ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement va soutenir les arts visuels de l'Ontario? Est-ce qu'ils vont offrir du soutien pour les établissements intérieurs et extérieurs pour que ces organisations puissent faire partie de la relance et aider nos communautés? Également, vont-ils
offrir finalement une subvention pour les musées, qui n'a cette même subvention qui n'a pas été augmentée depuis deux décennies. Leader parlementaire du gouvernement. Il y a beaucoup à dire par rapport à cette question. C'est une très bonne question. Le secteur de la culture et des arts est responsable de millions de dollars en termes de revenus. Ce secteur emploie des centaines de milliers de gens. C'est pourquoi la ministre de la Culture s'assure qu'au moment où nous sortons de la pandémie, toutes les institutions, le secteur du tourisme également, ne soient pas mis de côté. Comme la ministre McLeod l'a dit à multiples reprises, ce sont les premiers secteurs touchés, ce seront ceux qui prendront le plus de temps avant de reprendre. Bien sûr, il y a davantage de travail à faire. C'est un secteur crucial pour notre économie. Nous ne pouvons pas avoir une économie florissante sans ce secteur. Nous le comprenons et nous allons nous assurer que lorsque nous allons rouvrir la province, ce secteur sera inclus. Question suivante, député de Cambridge. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a de cela quelques jours, le BRF a émis un rapport quant à ce gouvernement. Le rapport indique que le budget serait balancé, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. D'ici 2030, il y aura 17,8 milliards de dollars en termes de dette par rapport au budget. Ce sera créé par ce gouvernement. Est-ce que ce gouvernement a un plan pour équilibrer le budget? Adjoint parlementaire, ministre du ministère des Finances et député de Willowdale. Merci pour la question de la députée de l'opposition. Oui, il faut prendre les finances très au sérieux. J'aimerais remercier le BRF pour le travail qu'ils ont fait. D'abord, j'aimerais dire que le budget de 2021 prend une approche à très long terme. Il y a beaucoup de risques et de facteurs à considérer. Notre budget reconnaît cela. J'aimerais citer le BRF. Ce budget est très prudent quant aux fonds. Nous voulons continuer la dépense dans les programmes et nous nous alignons sur le moyen et le long terme. Nous nous engageons à être transparents avec les gens de cette province. Comparativement au gouvernement libéral, qui n'a pas agi en ce sens, nous allons continuer d'essayer d'atteindre l'équilibre budgétaire. Question complémentaire. Il semble qu'il n'y a pas de plan pour équilibrer le budget. Le BRF se dit inquiet par rapport au budget, mais également le Fraser Institute. Cet institut affirme que d'abord, malgré les critiques, le gouvernement Ford a continué les politiques du gouvernement McGuinty. Et deuxièmement, en termes de déficit et de dette, on peut démontrer qu'il n'y a pas de changement offert. Est-ce que le premier ministre est fier de finalement atteindre son objectif, soit de devenir une extension du gouvernement libéral des années précédentes? Adjoint parlementaire et député de Willowdale. Je me rappelle quand la députée était de ce côté-ci de la Chambre. Nous parlions de l'importance de la transparence fiscale. J'aimerais lui rappeler une chose. Lors de nos deux premières années, nous avons diminué de moitié le déficit libéral en une période très courte. Mais bien sûr, la COVID nous a frappés. Il faut dépenser lorsque les gens ont des difficultés. Et je ne vais pas m'excuser pour avoir à cœur la sécurité des gens. Nous allons continuer d'être transparents avec les gens de la province, contrairement au gouvernement libéral, qui ne semble pas être transparent. Nous allons équilibrer le budget. Nous allons aider les gens de notre province et nous allons le faire à toutes les étapes du chemin. Député de Don Valley Est, à l'ordre, s'il vous plaît.
Question suivante. Député de Thunder Bay, Atikokan. Ma question s'adresse au premier ministre. Dans ma communauté, il y a des retards en chirurgie. Non seulement cela, les hôpitaux prévoient qu'il y aura des chirurgies qui seront nécessaires. La pandémie a mis en lumière les investissements nécessaires en santé. Cette fin de semaine, nous ne parlons pas de santé. Pourquoi est-ce que ce gouvernement parle de dispositions de dérogation plutôt que d'investir en santé? Leader parlementaire du gouvernement, la députée le sait. Nous avons investi en santé. Nous voulons augmenter la capacité des unités de soins intensifs, par exemple. Nous voulons que les équipes de santé Ontario aient davantage de ressources. La députée a voté contre ces propositions. Lorsque nous avons annoncé que nous allions engager 28 000 PSSP, elle a voté contre. Lorsque nous avons annoncé 4 000 infirmières engagées, elle a voté contre. Lorsque nous avons annoncé 3 000 nouveaux lits en soins de longue durée, la députée a voté contre. Malgré le compte de ces votes, nous allons continuer d'investir dans la santé de l'Ontario. Nous allons rebâtir le système dont nous avons hérité, le système qui a été légué par le gouvernement libéral. Question complémentaire? Encore une fois, ma question s'adresse au premier ministre. Pendant des décennies, le Nord a vécu des pénuries en santé. Beaucoup de résidents n'ont pas de médecin de famille. Maintenant, les problèmes s'empirent des suites de la pandémie. Le BRF a affirmé que le retard des chirurgies allait atteindre plus de 4 200 cas. On estime qu'il y aura également un retard de 1,6 million de chirurgies qui pourraient, et ce, d'ici le mois de septembre. Ce sont d'immenses problèmes. Mais il semble que ce gouvernement a d'autres priorités. Pourquoi est-ce que ce gouvernement passe davantage de temps à faire taire l'opposition plutôt que d'investir en santé? Leader parlementaire du gouvernement, je suis surpris. Nous avons dit que nous voulions mettre fin au système de santé dans les couloirs des hôpitaux. La députée a voté contre cela. Le NPD ne peut se concentrer sur une seule chose à la fois. Mais nous avons une des économies les plus grandes au pays. Nous pouvons nous concentrer sur plus d'une chose à la fois. Bien sûr, la députée se rappellera que le budget a été déposé par le ministère des Finances et des mesures et des ressources significatives seront mises en place pour remédier au retard en chirurgie. Pourtant, qu'a fait la députée? Eh bien, elle s'est jointe aux autres députés du NPD et a voté contre. Malgré l'opposition, nous allons continuer de travailler pour mettre fin au retard en chirurgie. Question suivante, député de Don Valley Est. La dernière semaine a été très difficile pour les Ontariens, surtout pour les musulmans. Aujourd'hui, cela fait une semaine que les événements tragiques de London se sont produits. Ces événements où 4 personnes ont été tuées par un terroriste. Je parle aux gens de ma communauté et les gens de la... Je suis sûre que les députés en chambre ont eu des conversations difficiles avec leurs commettants. Il y a un sentiment de peur, de tristesse.
d'anxiété. Les gens regardent ce gouvernement et tous les députés, en fait, et se posent des questions. Ma question est la suivante. Quel plan ce gouvernement mettra-t-il en place pour mettre fin à l'islamophobie? Quel plan ce gouvernement mettra en place pour mettre fin à la peur en Ontario? Merci. Réponse, solliciteur général. Je reconnais l'importance de l'approche du député. Nous devons remédier à cette situation immédiatement. Nous devons le faire en tant que gouvernement. Le directeur contre le racisme s'est déjà prononcé. Nous avons investi 1,6 million de dollars pour créer un nouveau plan contre le racisme. Nous voulons ainsi collaborer avec les communautés. Nous savons que ce doit être mené par les communautés. Nous allons soutenir ces communautés grâce à des programmes. Nous savons, et je sais que vous le savez, c'est quelque chose qui doit être fait collectivement, en tant que communauté, en tant que gouvernement. Question complémentaire. Je reconnais l'importance de la réponse. Nous voulons continuer de trouver des façons de combattre le racisme. Il y a de cela 5 ans, nous avions mis en place un plan. Nous avions eu une consultation pour remédier à l'islamophobie. C'est la forme de haine qui se répand le plus rapidement dans la province. Nous voulons collaborer avec des communautés. Nous voulons mettre en place des campagnes de sensibilisation, offrir des ressources. Nous avons également mis sur pied un groupe d'études. Nous voulions que 5 membres de ce groupe puissent travailler pour remédier à l'islamophobie. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la ministre voudrait bien regarder le plan à la page 32 et discuter avec le groupe d'études pour contrer l'islamophobie? Solliciteur général, même en période de pandémie, je dois le dire, le directeur de la lutte contre le racisme a fait un travail incroyable. Nous travaillons avec les communautés. Cela fait chaud au cœur, car il a été plus difficile d'être en contact avec les gens face à face. Même en période de pandémie, nous avons travaillé avec les réseaux, avec les communautés. Nous avons travaillé avec la Commission scolaire de Toronto. Nous avons travaillé avec la Commission scolaire de Durham. Ce travail va continuer, mais nous voulons étendre ce travail. Nous voulons travailler sur le terrain, avoir des partenariats pour nous assurer que nous remédions au racisme, à l'islamophobie. Ce ne sont pas le genre de valeurs pour lesquelles les Canadiens sont en faveur. Nous allons continuer d'utiliser donc ce programme. Merci. Leader parlementaire, pour un rappel au règlement? Oui, merci. Conformément au règlement, le président va annoncer quand la séance sera levée, mais nous voulons également que la séance soit ouverte dimanche, demain. Député de Davenport, rappel au règlement. Je voulais corriger quelque chose. Le BRF a affirmé qu'il y avait des coupures de 800 millions de dollars et non 800 millions de dollars. La séance est levée jusqu'à 13 heures.